Salut. Je savais que tu y arriverais. C'est quoi la suite? Je sais pas. J'avance au fur et à mesure. En tout cas, nous sommes au bon endroit. Une minute. Ces symboles servent bien à quelque chose. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la suite de Uncharted Drake's Fortune. Et nous étions ici, dans le mausolée. Et on faisait des trucs. Voilà. On faisait des énigmes. Ah la vache, Roman et Navarro ont mis un de ces boxons ici. Donc le serpent c'est bon. Qu'est-ce que c'est la couronne? Couronne est à l'endroit, les flèches vers le haut. C'est quoi ce truc? C'est un sablier? Non, c'est une calice. Tout est à l'endroit en fait. T'es sûr qu'on est au bon endroit? Mais je sais pas. En plus, je vois rien. Je peux pas sortir d'arme pour viser. J'ai pas de mode inspection. Ça, je sais. Je sais même pas quel symbole c'est. C'est des flèches. Donc les flèches, c'est peut-être vers le haut. Et l'encre, elle est toute droite. Alors désolé si je tousse un peu. C'est rien du tout, hein. Y a pas de Covid ou quoi que ce soit. Donc j'imagine que le livre était pas dans le bon sens. Qu'est-ce qui nous reste? Ça c'est quoi? Ah, ça c'est à l'envers. Enfin du moins il faut le mettre la tête à l'envers. Voili voilou. Donc serpent tête à gauche. C'est peut-être ça qui... Sa tête est à gauche. Je suis trop loin de l'écran en fait. Ou alors je vais fermer les rideaux parce que je ne vois rien. C'est vrai que c'est assez sombre cette partie du jeu. Hop, bougez pas. Hein. Je fais tout en direct. En direct de Groupama. Ah, bah on y voit bien mieux. C'est faux. J'y vois un petit peu mieux, mais pas incroyablement. Ça, c'est le colis. Colis, il est à l'endroit. Le livre. C'est bon. Les flèches. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste du coup? Coquillage, c'est comme ça. Je vois pas ce qui reste. Ça peut-être. Peut-être qu'il fallait pas le mettre dans ce sens-là. Eh oui! C'était bel et bien ça. Ok. Aïe. Je vais me redéplacer maintenant qu'on a trouvé l'énigme. Les affaires reprennent. Ouh. Ouais. Au pépé. Cadeau. Crado. Tu crois que ça mène où? Je sais pas. Peut-être nulle part. Hé hey. J'ai bien l'impression qu'il y a un passage par là. Oh là. Oh merde. Putain, c'est quoi ce truc? Se laissant de là. Hein? C'est un piège! Sullivan, tout va bien? Sully! Ouais, ça va. J'ai rien de cassé. Et non, t'as mis le paquet. Ouais, bon. Retourne donc à la bibliothèque. On va chercher un autre moyen de sortir. Communication fonctionne bien à bon, travers la pierre. On est obligé d'avancer. Ouais. Mais on avance prudemment. Salle des trésors. The room of the treasure. Et là, s'il y a des ennemis, franchement, je pète un câble. Je peux pas sortir mon arme, du coup, c'est peut-être bon signe. C'est quoi cet endroit? Oh. Plutôt tordu comme planque pour cacher ce foutu trésor. Oh, on est là. Oh, ça y est, ça commence les embrouilles. Oh, je me souviens de tout. J'ai des flashbacks. Quelle direction choisir?
Attends un peu. Il y a des chiffres romains sur le coin de la carte. Ça veut sûrement dire quelque chose. 3, 5, 7. Je vais rester là à faire le guet pendant que toi tu trouves un moyen de traverser. D'accord. Là c'est 2. 3, 5, 7, c'est ça. Hein. C'était quoi? Je sais pas. Oh merde. Je suis complètement paumé. Mais non. Je cherche juste le 3. Ok, ça c'est 4. Du coup on est sur la bonne voie, j'imagine. C'est quoi ce chiffre? On voit rien. 5 aussi. Et là 1. D'accord. Comment je vais là-bas? On peut pas escalader par là. C'est con. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Trois, cinq, sept, dididididoum. Là t'abuses. Franchement là il a pas fait d'effort, avoué. Et je peux. Pourquoi je peux pas ouvrir le journal? Ah d'accord, j'avais pas vu. Ah y'a un mec chelou qui court. Et là je peux descendre. Peut-être pour. Bien d'accord que le 3 du coup c'est par là. Ça doit bien servir à quelque chose. Mais pourquoi on l'activerait, c'est le 2. Tout explose. Me dis pas que c'est Lord des manivelles qui fait un truc. Donc le coup. Il se passe quelque chose. Nate, t'as fait quelque chose? Ça commence à bouger pas mal en bas. Et dans le bon sens? Attends. Qu'est-ce que je viens de faire? Nous, on veut aller au 3. C'est la bonne direction? C'est quoi? 6. Ah, l'évaluation des distances. Je pensais vraiment que j'étais plus loin que ça. Ou qu'on l'avait passé carrément. La séchance du truc. Non! Mais pourquoi? Mais pourquoi il fait ça? Oh putain! Vous avez aimé cette séquence? Vous allez la revoir 3 fois. Ouais, je suis généreux aujourd'hui. Et là, on se crame pas les panards d'ailleurs. C'est chiant, non? Moi, je sais pas, de glisser, ça m'amuse pas des masses. Ça, c'est 2. Mais ça n'a pas de sens. Moi, je veux faire 3, 5, 7. Sully, tu me reçois? Merde, que dalle! Merde. Oh merde, la tuile. Putain, mais pourquoi on peut pas avoir le guide là?
Est-ce que ma sauvegarde est cramée? Le 3 c'est par là. Ça je pense qu'on l'avait capté. Alors comment je passe? Le truc était pas du tout à ce niveau là. Oh non! Ça va. Oui bah merci. Enfoiré. Pourquoi on reprend d'aussi loin? Je l'avais passé ton premier flambeau là. Tu peux me mettre un point de sauvegarde quand même. Oh putain. Oh putain. Nathan, t'es une vraie savonnette en plus. Le décalage de cam là, c'était pas moi. Et si je saute juste là-bas? Eh mais en fait on a tellement tout le chemin à se retaper que j'ai pas du tout envie. Mais je peux pas passer. La frame elle est beaucoup trop courte. Il y a moins d'une seconde pour passer. Oh la vache. Fais plus jamais ça. J'aimerais bien comprendre pourquoi je peux plus ouvrir le journal aussi. Ça me plairait énormément. Rien ne me ferait plus plaisir. Mais j'étais passé, hein. J'étais passé. Ça, c'est typiquement le genre de truc qui va m'énerver. Mais vu que je suis un calme, je vais juste plus parler. Et ça va être chiant dans la vidéo. Oh putain, il y a eu aucune différence entre ce que je viens de faire et l'essai précédent. À noter. Y a rien à faire là. Moi je te brain le jeu. I brain you. Juste cerveau mec. Eh ben on monte. Puis on redescend. J'ai sûrement des manivelles à activer hein. Deux. Mais c'est pas les mêmes chiffres. Ah si. 2, 5, 7. Je sais pas pourquoi j'avais retenu 3 moi. Donc on va au 2. Oh la vache. Vous avez aimé les 5 premières fois? Hey, j'y suis. J'y reste. Hey, fais attention. Ça n'a pas l'air très stable. Nate. Mais non. Putain, je me suis dit ils vont pas me faire commencer. C'est bon. Tout va bien. J'ai fait ça pour rien. Vous foutez de moi. Oh la vache. Et ça c'est quoi? Genre là j'ai perdu, tu sais. Je sais même pas si je vais dans la bonne direction. Je ne sais rien. Je suis Jon Snow. Bah jusqu'ici ça a l'air de suivre hein, donc peut-être que je fais les bons trucs. J'ai trouvé un moyen d'ouvrir ce portail. J'attends là. Ce portail. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est une corde. Qu'est-ce qui t'arrive?
J'ai pas de grappin, non? Non, on n'est pas dans Tomb Raider. Et là, tous les fans, ils sont en mode ouais. Qu'est-ce que je dois faire avec ce petit zigouigoui de corde? Vous pouvez me remontrer l'indice, s'il vous plaît? Ah bah t'es là toi. On peut pas les péter ces trucs là. Bah écoutez, je suis pas hyper inspiré hein. Honnêtement, je vois pas du tout ce qu'il faut faire. Ah, il y a une chaîne. C'est... Non, c'est pas ça. Oh putain! Qu'est-ce qu'il faut faire là? En plus, je me suis levé relativement tard, vers 10h. Et je baille. Vraiment aucun respect quoi. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Sur ma sauvegarde ou... Ou quoi? Je pense qu'il y a un truc qui va pas. Ce serait pas la première fois d'ailleurs. Ok. Ce serait pas la première fois. Oui bah on y va du coup. Si on passait par là. Ah on est re... Ok. Got it. Essaie de trouver un moyen d'ouvrir ce portail. J'attends là. Oui comme d'habitude en fait. Les gens ils comptent trop sur moi. C'était pas du tout ce qu'ils m'ont montré. On est d'accord que... Ils m'avaient montré par là, là. Oh là 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 là. C'est bien fait. Non, franchement. Ça s'est bien fondu dans le décor. Ah. Incroyable. Merci, Nate. Faire tomber cet ascenseur a ouvert un portail et baissé un pont-levis. C'est logique. Et ça, tu le montes pas, non? Bam! Michael Bay. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est lui. On va te fumer ou quoi, là, Diego? Eh, hey, boulet! Maintenant cet or, il m'appartient! Ah, t'as perdu! Tuez-les tous les deux! Ah, et ben c'est de mieux en mieux. Allez! Il est là! Je le tiens! Mon dieu! Nate! Qu'est-ce que. Attention! Mais qu'est-ce que je viens de prendre? Bloquez-vous! Il est là! Moi je suis là, mais toi t'es où? Y'a que des gros en plus. Enfin. Des gens très à l'aise. Vas-y, ressors. Ça va faire mal. Ça va cogner la bagarre. Tue-le. Il est là! Arrêtez-le! Ah, c'est toi! Enfoiré! Okay. J'ai plus de balles, hein. Là, on a fait le ménage partout. Ah, ils ont des Wes. C'est pour ça que ça faisait super mal. Le mec, il m'a mis une balle, mort.
Il est par là. Attends. Ouah, mais attends, je recharge. Toi, t'es où? C'est assez chiant, hein, ce sifflement. J'espère que vous êtes pas hyper sensible des oreilles, parce que... ça peut très vite être désagréable. Un pompe. Ouais, en vrai, peut-être que le pompe, c'est worth it. Ils ont l'air de tirer tellement loin. Je crois qu'il y a une sorte d'échelle mécanique là-haut. Ah ouais? Je vais déployer l'échelle du coup. Il y a des méchants. Le voilà. Waouh. Tranquille mon pote. Ici on est tous. On est. Oh. On est tous frères mon frère. Et vous savez que quand vous avez plus de balles, vous faites ce combo de ouf. Et après, ça récupère l'arme automatiquement, je crois. J'ai déjà vu ça. Après je dis peut-être des conneries, hein. C'est peut-être. Le voilà. C'est peut-être pas dans ce jeu là. Alors, ça fait quoi, cowboy? Mais vous pouvez pas tirer à travers la pierre. J'espère que ça mène quelque part. Voir un peu, ils sont où là? Est-ce qu'on prend le risque de gâcher des balles? T'esquive super bien, toi. J'espère que je pourrai les ramasser ces munitions là. Bah il est où? Mais je le vois pas. Y a pas le tracé de son truc. Ah il doit être en dessous. Eh vous savez quoi? C'est pas grave. C'est pas ben grave. On le bute. Change d'épaule. Parfait. Super nickel. T'as combien de balles toi? 28, c'est du pareil au même. Je préfère faire quand même cette arme là. Ça c'est... ok. Non mais toutes les balles que j'ai tirées là. Oh Thierry. Oh Thierry. Il ressort son arme ici. Bizarre. Ok, donc c'est pas là la suite, c'est bien par là. We have to continue to jump. Enfin to jump, to get up. Essayons par là. To climb the stairs. Qui est là? Je vous entends. Je peux plus sortir mon arme. C'est-à-dire cinématique. Y'a rien ici. Tout ça est si vieux. Nate? C'est ton papy? Enfin, ton arrière? C'est Drake. Il l'a pas trouvé, il est juste mort ici. Tout ça pour la grandeur. Une vie gâchée. Pour rien. Nate, est-ce que t'es prêt à partir? Ouais.
plus que jamais. C'est combien plus que jamais? Il doit bien y avoir une sortie. Attendez, attendez, parce que... Là, je pense que vous allez un petit peu trop vite en besogne. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Oh putain, ce combat. Oh, ce combat de légende. Qu'est-ce qui est le mieux? Tiens, il y a des mosses partout. Oui. On dirait qu'il y a des sortes de machines là-haut. Là, il y a une échelle. Eh, je crois que je peux l'atteindre si tu m'aides. Vas-y. Ah oui, là. Bah, let's go. Allez. Allez, grimpe. Oh, oui, la saucisse. Tu peux l'atteindre. Qu'est-ce que c'était que ça? Ça ressemble bien à une espèce de vieux treuil. Ouais. Il y a une corde. Je vais essayer de te la passer. Tu regardes même pas là où tu dis que tu regardes. Oh, je vois un tunnel. On peut sortir par là. Salut les mecs. Du calme, Eddie, du calme. Wendigo. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu les as pas vus? Oh non. Mon Dieu, non. On est piégés. Putain, mais c'est quoi? C'est mort! On va tous cramer! Non! Non! Eddie, reviens par là! Oh merde! Drake, si jamais on doit y rester, je veux que tu saches, je peux pas te saquer! Ouais, pareil, mon pote. Bon, c'est parti. On dirait vachement des Wendigo. Qu'est-ce qui se passe ici? Elles sont où les armes à pompe là? Les armes à pompe. On va rester. Mais non. Bah, dépêche-toi quand même. Il est tout rouillé. Ah! Impossible de le bouger. Il me tire dessus. Qu'est-ce que tu fais avec cette corde? Elena! C'est coincé! C'est quoi cette frame d'invincibilité là? T'es peut-être mort maintenant. Peut-être qu'il va pas bien. Ah, j'ai vu, j'ai vu! Pain, pain, pain. Faut des balles, faut des balles, faut des balles. Arrête de faire là, plus personne devant toi. C'est une blague ou quoi? Cette fois-ci, je suis tout seul. Elena, dépêche-toi! Range-toi, mec! Quoi? Mais j'ai esquivé! On a pas des grenades Quoi? Ce two-shot! Range-toi, mec! Ce two-shot one cup! Vous êtes combien? Vous êtes combien? Et j'ai pas dit que vous étiez con, j'ai demandé combien vous étiez. Ah! Mais pourquoi ils arrivent toujours par derrière? Ça y est, ça bouge! Putain, heureusement qu'on est en facile, hein.
Attrape la corde. Enfin non, on est normal d'ailleurs. Dépêche, Nate. Alors, on sait pas escalader une corde? Le Wendigo? Je te balance de l'autre côté! Accroche-toi! Ah! Oh mon! Sacre, sacre, sacre! Oh my, oh my, oh my! Vous connaissez la chanson? Je sais pas, j'en sais rien. Ça va? Ouais. Hein? Nate? Ok. Je pense qu'ils pourront pas passer. Nate? Quoi? On est où là? Je te cry up, Perry. Je sais pas trop là. Oh! Fonce! Ouais. C'est donc dans celui-là qu'on est dans un complexe. Ça explique le sous-marin dans la jungle. Nate, par là, regarde ça. Alors ils l'ont trouvé. Ils ont dû s'introduire dans la salle et tout prendre. Ouais, mais qu'est-ce que le monastère a à voir là-dedans? Je sais pas. Ça n'a vraiment aucun sens. Si c'est là que se trouve la statue... Oh merde, on était vraiment juste au-dessus. Je suis sûre qu'on peut remonter à la surface. Les nazis ont pas dû payer l'électricité. Et merde! Tu vois, je suis sûr que si on trouvait la salle des machines, on pourrait remettre le courant. Il faudrait juste qu'on sorte d'ici. Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? J'ai trouvé la sortie. Bien joué. Ouais. Bon, on y va. Non, c'est à toi de jouer, cowboy. C'est quoi ce délire? Nate, tu sais très bien que j'y arriverai pas. Il est hors de question que je te laisse ici avec ces monstres. Mais on n'a pas le choix. Tu vas remettre le courant, tu reviens me chercher, et après, on se tire d'ici, ok? Allez, fonce. Tu bouges pas, je reviens. Ouais. C'est pour le scénario, ou alors tu sais qu'on est dans un jeu vidéo, Elena? Quelque chose me fait dire que tu es au courant de quelque chose. Là, fallait faire quoi, par exemple? Je vous aime bien, mais... On doit descendre ou monter? Parce que je viens d'apercevoir un truc. Vous allez me dire si j'ai bon ou pas. Mais de ce que je vois, faut peut-être plus monter. Ce que la caméra m'indiquait pas trop trop. Mais bon, eh. On va rien dire. En tout cas, on n'est pas très très loin de la fin. Mais on n'est pas très très proche non plus. Je pense qu'il nous reste au moins un ou deux épisodes. Minimum. Ah, mais pourquoi? Vous avez vu qu'il a tendu la main? Oh la vache, la purge. Cet épisode, c'est la purge. Vraiment. Zéro blague. Sinon, comment ça va? Vous racontez-moi un peu, là, dans les commentaires. Je me demande un peu ce que font les gens qui regardent ces vidéos. Parce que, aujourd'hui, au moment où j'enregistre, il n'y a pas grand monde. Mais peut-être que plus tard, ou à titre posthume... Il y aura des gens qui vont regarder ces vidéos-là. Peut-être peut-être pas d'ailleurs. Mais c'est intéressant de savoir. Je serais même peut-être plus là pour lire les commentaires, mais... Ce serait marrant quand même. Hey! Hop. Nickel. Là, la caméra est vraiment pas au petit. Hein. Aux petits oignons, peut-être, mais. Wow, wow. Si on tombe, on est mort, hein. J'espère que vous le savez.
Moi, je fais pas ça pour des clopinettes. Hein. Nickel. First try. Musique est assez cool. Tu m'entends ? Sullivan, réponds. Ah, ça sert à rien, ça capte pas ici. Ouais, il devrait venir chez moi, ça capte tout pareil. Oh ! Vous savez ce que ça veut dire ? Il y a du méchant. Il y a du méchant dans le coin. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. On est là. Oh putain. C'est pas genre... J'ai entendu des bruits de pas dans mon oreille gauche. Ouais, c'est un peu labyrinthe ici, je crois. Oh merde. Eh bien. C'est bon ? Tu sais, je voulais pas utiliser trop de balles. Okay. Vraiment le rapia des armes. Coucou ! Quelque chose derrière moi ? Oh, il y a aussi un passage. J'arrive pas à voir leur tête. Ok, là c'est pas d'issue ici. No tissue. Ah, ça brille, c'est... j'ai peur. Je dis, ça brille là, non? Ouais, moi j'ai plus de... J'ai plus les moyens de porter des balles. Moi je viens de là. Eh bien. Ça en fait des créatures. Et voilà. Tout ça, c'est des nazis. Pipapouf. J'ai raté quelque chose. Un indice, peut-être. Ah, ça doit être horrible. Ah, écoutez, genre, je suis en train de bailler et tout. Pour ceux qui regardent l'épisode le soir, tu sais. Mais je viens pas d'ici. J'ai l'impression que si. Il n'y a pas une map. Attends. Là, il y avait quelque chose. Parfait. Moi, je reste tout le temps en visée. Hop. Ça doit être la salle des machines. Ah. Voilà. C'est là qu'on fait les lessives. Qu'est-ce qu'on active ? Je vois rien du tout allumé. On peut monter là ? Non. Ouais. Mais enfin. C'est pas juste ce truc au milieu activé. En fait, il y a des portes fermées partout et ça me donne pas d'indice.
observer un peu. Ah. Ok. Pourcentage de chance que j'arrive à tomber dessus. Mouline, mouline. Dieu soit loué. Et ça va ouvrir toutes les portes verrouillées qu'il l'était pour une bonne raison. Oh non. Oh, Victor Crumb. Mais wesh! Tu sais pas recharger ou quoi? Ah, ils viennent de partout! Et en plus, ils ont des frames d'invincibilité! Tiré dans le sol. On est réglo ? Ça m'a l'air bon. Prenez beaucoup de balles quand même. Qu'est-ce que c'était que ça? Des petites grenades. Vraiment zéro fun, genre j'ai pas envie de mourir dans cette séquence. Et du coup je parle pas. Pourquoi ils sont... Ah ! Ah. Mais vous êtes beaucoup ! Moi j'ai plus beaucoup de balles. Okay. On y va, go 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 go. Hop, plus rien. Ah. Ah non, c'est jamais fini! L'aventure! Bon, le truc, c'est que maintenant il y a de l'électricité. What the fuck, les amis? Mais putain! Moi, j'avance pas, hein. Moi, je te le dis. En plus, ils arrivent pile quand je recharge. Balle. Vous avez vu ça? Tout le temps quand je recharge ou quand j'arrive au même point? Il doit y avoir un trigger. Ok, let's go. Putain. Ça c'est dur. Ils ont pas les mêmes couleurs. Les jaunes ils sont... Ok. Ils ont l'air plus puants.
faut des balles. Il faut des balles. Il faut des balles. Il faut des balles. Il faut des balles. Ok. J'ai rien. Arrête de te coller au mur. Mais putain, ça sert à quoi les roulades ? Mais... Je suis mort, je suis bloqué. Et combien de balles il faut? Y'a plus rien là. Là je ratisse la zone en appuyant sur triangle. Putain, mais ça se trouve faut juste partir. Ah, c'était ça. Ah, c'est pas possible, quelle journée pourrie. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Et tout ça en une seule journée, bah dis donc. Une balle à mort. Ah, ces trucs ont dû s'occuper de leur sort. C'est vraiment ça que je devais voir. Comment je vais sortir de là? Bah là je sais pas du coup. Faut juste suivre là où il y a l'électricité, j'ai bien compris, mais... Moi il me faut des munitions. I need ammunition. Voilà. Au moins 38. Très bien. Oh, c'était quoi ça? Très très bien. Et du coup c'est pas par là. Ah mais faut juste retrouver la sortie. Bah c'est là. C'est facile. Un peu trop calme. Vous trouvez pas? Un poiloum tout tranquilloum. Expérience scientifique. Ma fin est proche. Les démons me traquent dans les ténèbres. L'or de l'Eldorado porte une terrible malédiction. Les Espagnols ont libéré les enfers et en deviennent les suppôts. Mes hommes ont tous été assassinés, me laissant seul avec notre quête. Aucun navire ne quittera cette île. Je les ai tous détruits et j'ai noyé la cité maudite. Un mal si terrible ne doit jamais quitter ses rivages. En cet instant ultime, je remets mon âme à Dieu, qu'il pardonne en cet endroit maudit. Francis Drake. Mon Dieu. C'est aussi Francis Drake, c'est le mec qui le croise partout. Ah, c'est à moi de jouer. Oh non, pas encore. Mais pourquoi j'ai le petit gun? Galang, galang, galang. Ah, et là, je peux me débattre. Tout à l'heure, c'était juste une patate et c'est fini. C'est quoi ça? Ah, des balles. Mais arrête, je peux pas viser. C'est quoi ces angles? Regarde, il suffit qu'ils soient ici. Et ils deviennent invincibles. On s'est dit que les joueurs adoreraient cette phase. Non, on peut rien faire. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut partir?
Je crois que oui. Elles sont bizarres ces phases là. J'ai l'impression que je vais passer d'une pièce à l'autre. Faire des combats. Changer de pièce, faire des combats. Je sais plus si c'est ça mais... Quoi? Mais on est là? Am I dreaming or what? Ah ouais, bah Elena, tu serais pas encore partie? Ce serait quand même fun, non? Oh merde. Vous m'entendez là-dedans? 5 sur 5, enfoiré. Oh, pas de micro de votre côté? Quel dommage. Nate, sors! Laissez-la tranquille, sale fils de... Ah! Navarro, si tu n'arrives même pas à contrôler une pauvre fille... Ça n'arrivera plus. Croyez-moi. Désolé pour cette interruption. Je voulais juste vous dire merci pour nous avoir menés à Eldorado. Bien sûr. Oh, vous ne m'en voudrez pas si nous... Gardons Mademoiselle Fisher un peu plus longtemps. Juste pour vous décourager, vous et votre partenaire d'être trop créatifs. Adieu, Nate. Ce fut un plaisir. Ouais. Rigole, trou du cul. C'est pas fini. Oh. Oh merde, c'est pas bon ça. Mais on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu. C'est qu'à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes un petit peu frustré de la fin de cet épisode. Attention, je vais devoir mettre la pause très vite. Non, c'est bon, ça arrête. Si. Je voulais parler vite fait d'un truc, c'est que... Voilà, on sait que c'est un jeu vidéo et tout ça, mais je trouve que les ennemis ont un peu la vie trop facile. Dans le sens où moi, je vais me taper, remettre l'électricité, combattre les Wendigo, et eux, ils sont juste en mode, ils arrivent, ils capturent la fille, on doit aller la sauver, et... Je sais pas, trop bizarre. En tout cas, on se fera la suite très très vite, j'espère que ça vous aura plu une fois de plus. Ciao !